Re. 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 Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Re. Ça va Ouais, pas j'ai oublié ça. un truc. Re. Re. Ça va Ouais, pas j'ai oublié ça. un truc. Re. Re. Ça va Re. pas ça. Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Re. Ça va pas ça. Truc. Ouais, Ça va j'ai pas oublié un ça. truc. Truc. Re. Truc. Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Truc. Ça va Ouais, pas j'ai ça. oublié un truc. Truc. Re. Ça va pas ça. Ouais, Truc. Ça va j'ai pas oublié un ça. truc. Truc. Re. Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Truc. Ça va Ouais, j'ai pas oublié un ça. truc. Truc. Ça va Re. pas ça. Truc. Ouais, j'ai Ça oublié un truc. va pas ça. Re. Ouais, j'ai oublié un truc. 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 Re. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Bref. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Bref. Re. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Bref. Non. Est-ce que ça marche ça? Ouais, j'ai oublié un truc. Bref. Non. Bien. Bref, on va continuer notre truc. 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 Non. Bien. Excusez-moi, j'ai oublié de me mute encore, ça fait chier, putain. Sorry. Vous avez en double le son. Normalement, ça devrait être bon, là. Ok, alors. Donc, on en était là. Et en fait, j'avais mis une couleur plus foncée pour taratata, machin, truc. Et en fait, je suis con, c'est que si je veux pas que ça soit deux fois foncé, il faut juste que je mette ce background transparent, en fait. Et comme ça, la couleur, elle sera bien. Voilà. Bon, le problème avec ça... En vrai, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais j'ai envie d'inverser, en fait, les couleurs, là. Je vais inverser la couleur ici avec celle-là. Donc ici, ça sera pas clear darker, ça sera... Ah oui, mais du coup, ok, d'accord. Okay, okay. Non, non, je vais laisser comme ça, c'est très bien. Très bien. Ok, maintenant, il faut s'occuper des borders. Alors, les borders, c'est un peu compliqué. Parce que regardez ce qui se passe. Déjà, ça va dépendre de la position de la machin, mais regardez. Là, en fait... C'est chelou parce qu'il n'y a pas de border en haut ni en bas ni machin. Je sais pas où elles sont les borders en fait. Parce que du coup quand on clique ça change la... Ça augmente un petit peu la taille du truc. Alors oui, un truc que j'ai oublié aussi c'est qu'il faut que je fasse la font family et toute la clique. Font family, que je prenne ça et la font size. Hop, voilà. Ça va être mieux. Je la copie ici également. Et bien entendu, tab panel. Hop. Font, ok, donc ça va être text element, font family, template binding, font family, text element, font size, template binding, le font size, right. Non, en fait c'est de la merde, parce que du coup, bon. Non, non mais a priori si ça devrait marcher, mais font, text element, font family, template binding de font family, text element de font size, template binding de font size. Voilà. Voilà. Ok, donc là, normalement, on devrait avoir la bonne taille de police parce qu'on ne l'avait pas.
Voilà. Elle était plus petite tout à l'heure. Donc, alors, là, il y a des trucs à régler. Déjà, les borders. Alors, les borders ici, elles sont pas mal. Vous voyez qu'on voit la border en haut et sur le côté, donc ça, c'est pas mal. Et aussi sur ce côté-là. Par contre, la border, quand on a sélectionné le truc, c'est de la merde. Et je pense savoir pourquoi. Voilà, c'est parce que le inner border n'a pas de couleur. Donc c'est de la merde. Donc on va mettre border normal. Ça devrait être un poil mieux. On devrait avoir la border qui fait tout le tour. Pas du tout. Vous voyez, parce qu'on a mis margin, parce qu'il y a une margin en fait. Ouais, je pense que c'est à cause de la margine. À la limite. Alors déjà, j'aime pas ça, moi. Si on met 2 pixels, du coup, vu qu'on a moins 1 de margine, on devrait avoir le contour. Si je fais pas de bêtises. Pas du tout. Alors attendez, si on enlève la margine, ouais, mais si on enlève la margine, du coup... Voilà. Donc là, inner border, on est d'accord, c'est celle qui est quand on a sélectionné le truc. Voilà, le problème c'est que du coup la truc elle se... Ouais, bon. Ok. Bon là, ce qu'il faudrait voir c'est comment faire. Merde. Ça fait un peu chier. Je vous cache pas. Toc. Text element. Foreground. Ok. Parce que bah, je sais pas pourquoi on ne voit pas le truc. Donc, isSelected false. Oui, d'accord, mais ça c'est d'accord, on s'en fout. Donc, isSelected true. Et le placement est left. Donc, non, ça c'est pas left. Nous, on est top. Voilà. Donc, ça c'est quand elle est pas sélectionnée. Et ça c'est quand elle est sélectionnée. Ah oui, et donc du coup, ça fait une margine. Ici. Donc c'est peut-être ça le beans. Parce que du coup, à cause de la margine, bah on voit pas la bordure. Donc je vais commenter ça, voir. Et je crois que j'ai déjà mis 0 ici. Non, j'ai pas mis 0 là. Pourquoi mettre 0 là? Alright. Ok, donc là, effectivement, on voit toute la bordure. Et quand on switch... Bon, ok. Mais là, il y a une double bordure, en fait. Parce qu'il y a la inner border et la main border. Donc, on va remettre ici le moins 1, voir ce que ça donne. Parce que du coup, là, ça va, les deux borders seront confondus, en fait. Donc, on n'aura plus qu'une une border. Voilà. Bah voilà, ça c'est pas mal en vrai. Alors le problème c'est que... En vrai ça c'est pas mal du tout. Ouais, en vrai c'est pas mal. Hein. Ah oui, donc ça c'est bien ça aussi. Parce que du coup ça règle le problème de quand on survole un truc, vu que c'est la inner border et plus la main border qui est par-dessus. En vrai, je vais dégager la... En vrai, je peux dégager la main border. Hein. Non, bah non, non, parce que sinon, on n'aura plus le...
Mais du coup, la main border, ok. Attendez, la main border, on va tester, voir ce que ça donne si on met transparent. 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 On y va. Voilà, du coup, on l'a plus quand l'item n'est pas sélectionné. Ok, donc en fait, la main border, c'est quand on n'est pas sélectionné. Ok. Très bien. Ok, bah écoute, écoutez. Alors, il y a juste un truc à régler, c'est que du coup, j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien régler ce problème de border, hein, parce que du coup, là, il y a... Ça va être dans tab item. Il faudrait mettre une margin de moins 1 là. Margin. Ah oui, mais du coup, la margin, elle est où? Ok, ouais, non, c'est bon. Donc 0 à gauche, 0 en haut et moins 1 à droite. Comme ça, on rapproche celui qui est à droite. Ce qui fait qu'on va avoir qu'une seule bordure là. Voilà. Vous voyez, ça fait une seule bordure. Et donc là, quand on survole le truc, la bordure blanche, elle est cachée du coup. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Mais limite. C'est pas mal en vrai ça. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Alright. Mais j'ai bien envie de rajouter des petits padding là, parce que là c'est pas ouf. Ouais, mais attendez, parce que là, j'ai l'impression que la bordure, elle est... On va voir. Ah non, la bordure, elle est au même niveau. Ah bah oui, du coup, il faudrait que quand la table est inactive, du coup, l'enfoncer. L'enfoncer de moins 1 vers le haut. Enfin, de 1, de margin 1 en haut. Mais pour faire ça, est-ce que ça marche si je fais ça comme ça? Bon, là, les deux seront enfoncés, donc c'est de la merde. Ah oui, mais du coup, il y a la moins 1 déjà ici. Ok, donc attendez. Ça, on vire. Et du coup, c'est ce que j'ai commenté. Voilà. Ah non, mais par contre, faut pas que ce soit la margin générale, hein. T'es arrivé, toi. Si. On a margin général. Ouais. On essaye. 0, donc 1 pixel. Ou 2. Enfin, on verra. Oui, on verra. Non, c'est l'inverse. C'est quand il n'est pas sélectionné qu'il faut la margin. Donc, c'est peut-être false. Comme ça. Top. C'est peut-être false ici. Voilà, ça c'est pas mal. Par contre, pourquoi il y a la bordure qui a disparu du coup? Pourquoi la bordure disparaît là sur le côté? En vrai, j'aime bien. On va essayer 4, voir ce que ça donne. Enfin, ça va être un peu trop, je pense, mais. Mais c'est bien des fois d'être dans l'excès. Vous voyez, comme ça, elle ressort bien la table qu'on a sélectionnée, elle ressort pas mal. Mais par contre, pourquoi la bordure a disparu? Pourquoi la bordure a disparu?
Bien. J'aime bien le truc. Bon, alors, il est peut-être un peu grand. On va rajouter une propriété. Alors, comme ça, je vais vous apprendre à rajouter des propriétés. Donc déjà, on va changer... Ça, on va mettre 2. Hein. On va pas mettre 4. Ok, maintenant, il nous faut juste réparer la bordure. Pourquoi il n'y en a pas ? Là, j'ai mis moins 1. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bah oui. Bah oui, j'ai mis moins 1 sur le côté. Donc, on rajoute un pixel de bordure. Peut-être que ça va marcher, je ne sais pas du tout. J'en sais pas du tout. Non, pas du tout. Bah oui, moi, je sais pas. Non, mais c'est pas à cause de ça. Non, c'est pas, attends, c'est pas à cause de ça. Je pense pas que ce soit à cause de ça. On va voir. En vrai, si c'est possible. Ok, c'est à cause de ça. En fait, le délire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la margine que s'il y a un item à côté, quoi. Et ça, je sais pas comment on fait ça. Il faut changer l'item panel, en fait. Ouais, ça fait chier un peu. Comment qu'on fait ça? Ça, si je fais ça, bah, ça va annuler le margin que j'ai mis, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En vrai, si je mets un petit espace, bah non. En vrai. Est-ce que genre un truc comme ça. Est-ce que, hein, c'est la question qu'on se pose tous. Une petite margine entre les tabs, ça ferait pas un petit truc, un petit côté. Un petit côté pas mal, voilà, quoi. Ou alors je mets juste un pixel entre les tables, donc 2 avec la bordure. Non. 1, bah non, 1 du coup. Je mets juste un pixel entre les deux, comme ça on aura une petite dent en fait. Ouais, elle est beaucoup trop petite la dent, mais vous voyez l'idée, quoi. On va essayer 2, voir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais je préférerais quand même que ça soit collé. Je préférerais que ça soit collé. Yes, j'ai mon contexte menu qui est parfait. Bien. Je préférerais que ça soit collé. Comment on peut faire? Déjà, je vais rajouter des tabs. Juste pour test. Hop. Voilà, je vais mettre plein de tabs. Comme ça, on sera tous contents. This is another one. Another one. Voilà. Ça, on a plein de tabs. Voir un peu. Qu'est-ce que ça donne? Oui, bon, j'ai rien mis dedans, donc il n'y a rien du tout. Ok.
En vrai, c'est pas mal avec le petit espacement. Est-ce que le problème... Parce que, bon, si je mets moins 1 là, la dernière table, elle aura pas de bordure à droite. La dernière table, elle a pas de bordure à droite. Est-ce que... Oui, c'est grave. Oui, c'est très grave. C'est un peu trop foncé, non? C'est le over aussi qui est un peu clair. Hein. Bon. Donc ce qu'on va faire, est-ce que 8 c'est trop? Ouais, je pense que 8 c'est trop. Il y a moyen que 8 ce soit un peu trop. En vrai c'est pas mal. Hein. Bon, après, le problème avec ça, c'est que du coup, il faudra gérer quand c'est dans les autres sens. Donc ça, c'est bien pour le top. Ok, ça marchera pour le top. Le problème, c'est que ça ne marchera pas pour les autres. Donc... is mouse over left, nanana... Mouse over to bot, right, top. Sinon, on met pas de border. Ça, c'était première idée que j'avais. Parce que comme ça, du coup, on vire tout ça, là. Ça sert plus à rien. Parce que là, il gère, en fait, tous les cas un par un, là. Est-ce que c'est à gauche, en bas, à droite, machin, etc. Du coup, si on enlève complètement la border, on règle pas mal de problèmes. Donc si on vire les deux borders sont transparentes, on verra plus rien. Enfin, il n'y aura plus de border. Le border. Voilà, et ça donne ça. Ouais, mais du coup, il y a la border autour de la table. Ben, ça, on va la virer. Je pense que c'est pas mal. Sans border, ça... Bon, du coup, il y a la border quand on survole, mais ça, je vais la virer aussi. Mais il faudrait juste inverser les deux couleurs en fait. Alors attendez. On va virer déjà la border ici. Là. On peut mettre 0 ici, hein, ça revient même. Ok. Et bien entendu. Alors. Oui, donc là ça touche la border. Donc ça, on sent pas les steaks. Ça, on sent pas les steaks. Ça, on sent pas les steaks. Ça, on sent. Ah oui, je vais disabler d'une table aussi. Une tab. Aussi. Pour voir un peu comment ça se passe. Et donc là, du coup, tu voyais, on vire tous ces trucs là. Rien à foutre de ça. Rien à foutre de ça. Rien à foutre de ça. Rien à foutre. Palalala, plop. Palalala, plop. Palalala, plop. Voilà. Bon. Ah, il y avait une margin quand il est selected aussi. Hein?
Ah non, c'est quand il est selected, il monte. Ok, d'accord, ok. J'avais pas compris ça. Ouais, bon, bref. Donc, voilà. Là, on a ça. Alors non, bien entendu, quand elle est selected... Alors. On se calme. Donc, première chose. Première chose, je vais virer tous les trucs qui ne servent à rien. Donc, en fait, là, on va avoir juste un isMouseOver. Donc, ça va plus être un data, ça va être juste un trigger normal. Property isMouseOver, value true. Et on aura un setter. Alors, donc non, c'est un data trigger puisqu'on fait un binding en fait. Donc ça va être binding, ça va être binding isMouseOver relative source de relative source self. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ok. Donc ça on vire. Paf. Donc ça on en a plus besoin puisque c'est des mouseovers, ça. Tout ça c'est des mouseovers, on en a plus besoin. Ça c'est des disabled. Donc les disabled c'est pareil, un data trigger avec un binding. Binding is enabled. Relative source, self. Value false. Donc là c'est quand c'est disabled. Disabled. Hop. Voilà. Donc ça c'était disabled, disabled, disabled et disabled. Et encore. Non. Et après c'est selected. Donc ensuite, quand c'est pas sélectionné. Donc is selected. Value false. Donc pas sélectionné. Ça sera bah rien en fait. Ça sera le truc par défaut. Y a rien du tout. Ok. Donc ça c'est... Ah non, what? The fuck? Ah non, ok, d'accord, c'est iSelected false, nanana, ensuite iSelected false, nanana, ensuite... Oui, pardon, j'ai oublié de fermer un truc, non? Ok. Nanana, iSelected false ici... Nanana, et il s'est peut-être face ici. Alors, ah oui. Ah merde. Du coup, c'est la margine qui change. Putain. Fuck. Donc en fait, on va avoir besoin. On va quand même avoir besoin de... De ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas besoin pour isSelected. True. Donc, on va inverser ici. On va pas mettre face, on va mettre true. True. Ouais, attends, du coup, on va remettre tout le reste. Voilà. Donc là, on a un false. Donc, value left. Donc la margine, ça va l'enfoncer à droite. Oui, donc enfin bon, value left, ça donne ça quoi en fait, tout simplement. Et ça en fait, du coup, on en aura plus besoin. IsSelected true, enfin, on en aura qu'un en fait. Donc data data trigger binding binding isSelected. relative source, mode, self, self, value true, 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 et on aura juste ça, en fait. Voilà. Donc ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Ça, on peut virer. Voilà, et ça, on peut virer. Ah non, ça, c'est le true. Non, c'est bon. Ça, on peut virer. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, il faut juste mettre la margine pour tous les trucs. Ok, je crois que c'est bon. Alors. Merde. Bon, ah voilà, vous avez vu ma souris. Bravo.
Donc 0, 2, donc ça va être en bas. Right, ça va être à droite. Et top, ça va être en haut. Ok. Donc on va tester tout ça déjà, voir si ça marche. On va disabled des windows. Disabled. Disabled. Hop. Voilà. Voir un peu. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, effectivement, le disabled il ressort bien, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait que quand ça ne soit pas sélectionné, la couleur, la police soit un peu plus. Enfin, voilà quoi, il faut qu'il y ait la police un peu plus. Voilà, foncée. Donc, on va enlever du. Tout simplement. Ce serait facile à faire. Quand il n'est pas sélectionné, donc le false. On va mettre un data trigger pour tout. Binding is selected, dadadada, machin truc. C'est la même chose que ça. Hop. Au lieu de true, c'est false. Et donc, on va setter l'opacité du content presenter. Pff, en vrai, je peux setter le foreground, hein, juste. J'ai pas besoin de setter l'opacité. Hein. Vous savez, je peux juste faire ça. Hein. Setter property foreground value foreground disabled. Voilà. Et là, du coup, pareil. Foreground. Hop, value static resource foreground point. Donc, un truc un peu plus foncé, c'est pressed. Normalement, il est un peu plus foncé que le truc par défaut. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Très, très bien. Pourquoi j'ai mis 8 ? Ah, oui. Donc, il faut changer la margin aussi. Ok. C'est ça qui va être chiant. Hey. Bon. Déjà, on regarde ça. Est-ce que la couleur de la police, ça va ? Vous voyez, elle est un petit peu plus foncée, ça j'aime bien. Alors, la table selected, on a dit selected true, toc. Le background, ça va être le normal. Hop. Voilà. Ensuite, quand elle n'est pas sélectionnée, ça c'est disabled, on s'en fout. Quand elle n'est pas sélectionnée, c'est ici. Il faudrait setter le background à on va tester ça du coup et donc comment je vais faire. Et donc en fait c'est ici, voilà, c'est ça qu'il faudrait changer pour un truc plus foncé à in.background.preset, je pense. Ouais, c'est le plus foncé. Ok, non, c'est beaucoup trop foncé et le disabled du coup il ressort pas du tout. Alors attends, non, là il y a un problème. Ah non, c'est vraiment trop foncé là. The fuck. Donc il faudrait que ça soit in. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, j'ai mis clear darker, je crois. Bah oui. Mais non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Non, c'est in. Point background, point normal. Voilà, qui est mieux. Le disabled, il ressort pas du tout parce que bah, normalement, c'est censé être la front. Bah, j'ai changé foreground. Ça marche pas ? Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des relatives sur self à chaque fois, là.
Donc non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi, en fait? Pourquoi je peux pas juste faire ça? Il y a une raison particulière ou... Ça, du coup, je peux... Pourquoi il fait un relatif sur self, là? Attends, mais le template bending, il marche pas, en fait. Pourquoi il marche pas? Pourquoi ça... Pourquoi le template binding? Pourquoi il faut que je fasse un self en fait? Je n'en ai aucune idée. Par contre, ça, du coup, on l'utilise pas. À zéro moment, on set l'opacité, là, je comprends pas. Attends. Bah oui, parce que ça, c'est l'inner border quand on sélectionnait, donc on a rien à foutre. Puis là, du coup, vu que la border est transparent, on met pas de border, hein. Puis là, vu que la margin est à 0, hop, voilà. Attends. Du coup, ça va changer, là. Du coup, ça va être un binding. Je sais pas pourquoi ça marche pas, le template binding. Binding de background. Relative source. Relative. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Relative source. Relative source, merci. Mode self. Pourquoi il bug là? Je sais pas. Ok, bah du coup ça va être la même chose ici. Binding foreground, relative source, mode self. Ok. Là on va replacer foreground avec font family. Yes. Foreground font family. Et là, on va remplacer foreground par font size. Ok. Merde. Hop. Ok. Donc là, ça devrait être mieux. Et pareil ici, du coup. Je ne sais pas pourquoi, le truc marche pas. Bon. Bah, binding de padding. Relative source. Pourquoi j'ai pas l'autocompression? Self. Putain, il y a des problèmes. Ok, donc ça devrait régler all the problems. Yes. Ça marche parfaitement bien. Pourquoi? Mais non. Bon, alors attends. Ok. Bon. C'est ça le problème en fait. Enfin, du coup, c'est ça. C'est juste dans le... Ok. Ok. Bon.
Ah, mais attends. Bah non. Et ça, du coup, ça va pas marcher non plus. Bah non, ça marche pas non plus. Mais le template binding a un problème là, non? C'est hyper chelou. Pourquoi? Pourquoi le template binding ne marche pas? Bon, bah écoute, on va faire comme ça, hein, template route. Non, c'est pas là, c'est main border. Ok. Donc là, ça va être content présenteur. Du coup, ça va être text element.foreground. Doudoudoudou. Target name. Main border. Target name, main border. Target name, content presenter. Text element. Ok. Ça marche pas non plus. C'est une blague. Ok, alors des fois ça fait de la merde. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en gros, il faut simplement enlever la référence ici et la réajouter. Ensuite, on build, tranquille, et on lance. Est-ce que ça va régler le problème? Non. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mes tabs ne sont plus. J'ai pas d'erreur là. Mes tabs ne sont plus affectées par le style que je leur donne. Est-ce que si je change ça, ça marche? 160 de margin, on le verra normalement. Ok, ça marche. Ok, bon. Donc qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé le margin 0. Je sais pas ce que j'ai enlevé d'autre. Bah, j'ai enlevé la bordure à l'intérieur, mais ça m'étonnerait que ce soit ça le problème, si. On va remettre une autre border vide, et je sais pas ce qui va se passer, mais ouais, super. Je m'en vais. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a rien à l'intérieur de la border. Il n'y a que dalle. Donc est-ce qu'on ne ferait pas ça directement sur la grille, en fait? C'est peut-être juste ça le problème. Hein. Hop, là je fais un petit template binding des familles. Background. Yes. Oui, j'ai viré la border. Donc ça va être le background normal. Hop.
Ça, ça va être le background normal. Toc. Est-ce que ça va mieux? Pas du tout. Enfin, ça marche quand même. Je comprends pas. Pourtant, quand le selected, il marche. Hein. Genre ça. Ça marche. Pourquoi les autres? Ne fonctionnent pas. Ah, je sais. Je suis un mongol, un petit peu. C'est vrai que c'est complètement... Ok, en fait, je pense qu'il y en a qui ont deviné. Enfin, je pense, ouais, il y en a, c'est moyen. C'est possible, il y a moyen. En fait, les triggers, là, ils s'appliquent dans l'ordre. Donc, regardez ce qui se passe. Si je survole un élément, si je survole un tab, il va faire mouse over ses trous. Donc, il va changer la couleur du background, il va la mettre plus claire. Ensuite, isenablade, c'est trou, donc on va pas rentrer là-dedans. Iselected, c'est false, donc il va pas rentrer là-dedans. Par contre, iselected, c'est false, donc il va rentrer là-dedans. Et donc là, il va setter le background à cette couleur. Donc il va annuler ce qui s'est passé ici. Donc on peut régler ça en mettant simplement ce truc-là en haut, comme ça, dans l'ordre. Le mouse over l'emporte sur le iselected false. Donc ça, on devrait s'en sortir. Et donc, voilà. Et en plus, on a même la couleur de ces trucs. Et regardez, voilà. On peut survoler, ça marche très bien. Ok. Alors, j'ai envie de rajouter un autre truc. Quand on survole, j'ai envie qu'on fasse un petit... Donc, ce qui fait que, normalement, on peut faire ça comme ça aussi. Du coup, ça marche le... Merde. Hop. Le template binding, il va normalement fonctionner. Là, on va mettre over. Hop. Donc ça, on peut remplacer. Hop. Ouais, des fois, je suis un peu bête. Donc ça, on n'a même plus besoin du nom. On s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Il faudra que je fasse la margin pour les autres tabs, pour les autres types de tabs verticales, tout ça. Ok, et il faudra que... Non, c'est tout, en fait. Ok. Donc là, on va avoir un joli truc. Pas mal. Voilà, hop. Bon, par contre, le fond est trop foncé. Et du coup, le Disablade ne ressort pas. Je sais pas du tout quelle couleur mettre le fond, ça m'énerve. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, de toute façon, déjà, ça n'existe pas. Ça, en vrai, ça n'existe pas. Donc déjà, voilà, ça sera comme ça. Ok. Ah, mais du coup, on n'a plus de problème de border. On n'a plus de problème de border. Donc ça ne sert à rien. Donc on n'est pas obligé de faire un cas pour chaque truc. Ouais. En vrai, ça, je vais le mettre en template binding. C'est pas très utile. Toc, on va le mettre là. Snaps. True. Right. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire ça comme ça directement? Hop, on n'a pas de margin. Donc là, on choisit la table qu'on veut. Super, génial. Ouais, mais ça manque. Limite, j'ai envie que ça soit une couleur plus claire. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que ça soit plus clair que ça.
Ça, c'est background. Ça, c'est in. Ça, c'est out, pardon. Ça, c'est out normal. Donc, il faudrait que je fasse out over. Donc, ici. Out over. Voilà. Et on va. Je sais pas si j'ai envie de mettre une... un truc. Fait chier. Voilà. Donc là, c'est plus clair. Le problème, là, c'est qu'on voit pas les séparations entre les tabs. C'est ça qui me gêne. Du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une margine. Et du coup, il va falloir... Il va falloir faire ça pour chaque cas. Est-ce qu'un pixel, ça va? Ou c'est trop? Ouais, ça fait genre une bordure. Non, c'est pas ouf. Quoique, en vrai... Ouais, c'est pas mal. Hein. Disablet, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. En fait, le blanc, il passe. Enfin, la couleur claire, comme ça, elle passe. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faudrait que... Ouais. On va mettre 2 pixels, comme ça, ça sera à la même hauteur que le truc en haut. Enfin, ça sera la même large. Enfin, bref. J'aime bien. Vendu. Ok, bon, du coup, il va falloir régler la... Tout ça. Donc ça va être un data trigger, comme ça, hop, pouf, voilà, et ça va être un setter de la property margin de la grille, qui ne s'appelle plus, donc on va l'appeler grid, hop, name grid. Donc grid margin, là, 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 left. Donc vu qu'ils sont à left, la séparation, elle sera en bas. Donc en bas, c'est pas ça du tout, c'est celui-là. Ok, ensuite. Oups. Ensuite, on fait bottom, par exemple. Donc là, bottom, c'est la même que top, donc c'est ici. Et en fait, c'est pareil pour les autres. Inversement proportionnel, tout ça, tout ça. Bon, on va les mettre ensemble parce que ça représente la même chose. Ça aussi. Voilà. Et donc là, c'est right. C'est la même chose que left. Et top, c'est la même chose que truc. Voilà. Ça, à la limite, on peut le virer, on s'en fout. Et ça passe. Donc on va tester un peu tout. Donc déjà, on teste top, c'est le par défaut. On teste, voir si ça fonctionne bien. Ok, on a les tabs, elles sont séparées de 2 pixels, c'est génial. Quand on clique, elles se surélèvent un petit peu. Alors j'aimerais bien que, quand la tab est sélectionnée, le texte soit comme over. Donc, iSelected true. Ça comme ça, voilà. Comme ça, voilà, elle ressort un peu plus que les autres. Ça c'est bien. Ok, donc ça c'est top. Enfin, c'est l'alignement top, mais c'est top aussi, si vous voulez. Génial. Qu'est-ce qu'on se marre. Merde, il est où? Il est là. Hop, tab. Strip placement bottom, donc là en bas, vous allez voir, ça va être la même chose, donc ça va être en bas. Donc là, vous voyez, il y a la margine qui va bien. Putain, super! Hop, hop, hop.
Alors, là, on a un problème. Non, on n'a pas de problème. Je pensais que le fond était plus clair, mais en fait, non. À la limite, on peut faire ça transparent. Ouais, mais du coup, ça sera le fond du truc. Ok, bon. Okay, donc bottom, ça marche bien. Ensuite, left. Left, left, left. Voilà. Donc là, il y a un petit espacement en haut et en bas. Enfin, du coup, en bas, plutôt. C'est pas mal, comme ça. Hop. Et vous voyez le truc qui remonte à droite. Pas mal, pas mal. Par contre, il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. Moi, dans les 2 minutes, je reviens, je vais aux toilettes. Alors, donc left, on a dit, il y a une trop grande margine sur le côté. Ok, donc là, il y a plein de margines, effectivement. Ok. Moi, je sais pas, j'aime pas en fait. Je sais vraiment pas comment faire des tabs. Oui. On a combien de pixels? Tac.
2 pixels. Ok, donc 2 pixels quand on est à gauche, donc value left, margin ici 2 pixels, on dégage, donc ça devient 0,2. Alright, rouge ça va être la même chose, enfin rouge, right, ça va être la même chose, donc hop, et bottom, voilà. Et comme ça, top. Et... Ah... Oh... Ok, en fait top, il n'y a pas de margin du tout, quoi. Donc vas-y, on voit ce que ça donne. Ok, bon, très bien. Putain. J'aime bien, ouais, non, j'aime bien le fait que ce soit plus clair en fait. C'est pas mal du tout. Ça marche, c'est pas mal. Ok. Ok, bon. Je pense qu'on va laisser comme ça. On va juste tester right si ça fonctionne. Ok, bon. Ah ouais, alors, ça, faut pas que ça arrive du tout. Est-ce que... Mais vraiment, est-ce que... Ok, attendez. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc mieux. Parce que là, c'est un peu moche. Enfin, j'aime pas beaucoup. J'aime pas trop ça. Donc, ce qu'on va faire. En fait, on voit trop. On voit trop les autres tables, en fait. Ça reste, ça va dans les yeux, quoi. La Dizabed est pas mal, même si elle est un peu trop foncée pour le coup. Du coup, ce qu'on va faire, c'est dans Tab Item, on va changer l'opacité quand l'item n'est pas sélectionné. Alors, quand l'item n'est pas sélectionné, du coup, hop, on lui met un petit opacity de, on va tester 0,5. Et quand l'item est disabled, on va tester 0,25. La moitié. De la moitié. Ah, c'est déjà tout de suite un peu mieux. Franchement, c'est un peu mieux. La table actuelle ressort beaucoup plus. La disabled est bien. Même si elle est un peu trop opaque, un peu trop transparent. Les autres, j'aime bien, même si j'aimerais quand on les survole. Non, c'est beaucoup trop transparent sur les ceux-là. Sur les deux, en fait. Donc, voilà, on va mettre ça comme ça. Mais, ce que j'ai envie de faire, ah oui, c'est quand on a la mouse over, l'opacité repasse à 1. Vous voyez ? Et quand il est selected et à true, on passe à 1 aussi. Hein. Enfin, ça, normalement, ça marchera normalement, hein, mais... Ok. Je pense que ça sera mieux. Ah non, parce que là, le background... Merde. Le background est le même que pour la table sélectionnée, donc ça va pas du tout. Faudrait une couleur très légère. Genre un petit lighter. On va faire ça. Iselected, ta-da-da-da, ça. On change.
on change et on va mettre clear.lighter. Lighter. On va mettre 1. En fait, on va que mettre pour le disable LED le transparent. Ok, bon, on verra. On verra ce que ça donne. On regarde. Da-da-da-da. Ouah, non, mais c'est trop clair. Enfin, ça marche bien, je trouve. Ah, mais là, c'est beaucoup trop clair. Donc, à la limite. Je sais pas, putain, c'est trop chiant. Le disable LED, il ressort bien, ouais, mais on dirait que c'est une table qui est sélectionnée, donc ça ne le fait pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, on va changer ça. On va mettre un clear.darker. Darker. Voilà. Et on va le mettre à... Voilà, on va tout mettre à 1, je pense que c'est mieux. J'aime pas trop travailler avec de l'opacité, parce que du coup, ça change les couleurs. Et en fonction de la couleur qu'il y a derrière, bah, c'est pas la même couleur, donc voilà. Je sais pas. Ça, c'est pas trop mal. C'est bien parce que du coup, oui, on voit bien la table qui est sélectionnée. On voit bien celle qui est désablée. Alors, celle qui est désablée, du coup, ce qu'on va faire, on va lui mettre le même background que s'il n'est pas sélectionné. Donc, ça lui mettra ce background-là. Le foreground et le foreground, on met disabled, voilà. Comme ça, ça sera la même chose que les autres. Regardez. Ça, c'est épique. Voilà, vous voyez, là, disabled, on voit que c'est disabled, parce que du coup, la couleur nous dit que c'est disabled. Et les autres, j'aime mieux comme ça. Parce que ça fait ressortir la table sélectionnée beaucoup plus. On voit qu'il y a d'autres tabs. On a envie de cliquer dessus. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien comme ça. Hop. J'aime bien. On va réessayer en top parce qu'a priori, ça va être comme ça que ça va être le plus souvent. Donc, voilà. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Peut-être un peu trop clair. Ah, ça me saoule. Du coup, est-ce qu'on ferait pas un clear lighter sur un clear lighter? Regardez. Ici. Background. Là. Clear lighter. Comme ça, le clear lighter sur le clear lighter, il va se cumuler et ça va être joli. C'est la même chose, non? C'est strictement la même chose. On peut pas mettre un truc un peu plus foncé? Oh. Mais je sais vraiment pas de quelle couleur le mettre, ça me saoule. Parce que s'il est trop foncé, on... Ah mais attends, du coup. Maintenant que j'ai mis cela plus clair, je peux très bien mettre le fond plus foncé. Donc si on met un in.background.normal, normalement ça passera bien, ça. Mais voilà. Alors par contre, la disabled... Non, mais ça, j'aime bien. Ça, j'aime vraiment. Alors, le problème, c'est que du coup, ça se confond un peu avec la bordure du dessus. Ouais, mais ça, on peut le régler, en fait, en mettant un padding. Ok, je vais rajouter une custom property. Hop. Qui va s'appeler, genre... Vous voyez ? Comme ça, on fait plus la différence... Bon, ça fait bugger parce que je suis en size to fit machin. Vous voyez, on voit bien la délimitation. Ça, j'aime bien. Que du coup, voilà. Voilà.
Ok, je pense qu'on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Mais effectivement, le seul problème, c'est que la couleur est trop foncée, du coup, on la confond avec le... Alors, in normal, dark dark. Ce qu'il nous faudrait, ça serait un dark... dark light. Parce que si je fais mains, non, c'est de la merde, ça. Ouais, mais ça va pas le faire, si. Donc si je fais, au lieu de faire un in, je fais un out. Bon, ça va être une couleur un peu plus claire. Et du coup, c'est la même couleur que le menu, en fait. Bon, en vrai, c'est pas con, en vrai, d'avoir la même couleur que le menu. Ah, mais le light est trop. Donc, on va inventer une nouvelle couleur. Ouais, on invente des couleurs ici, c'est bien. Lighter. Et on va faire slightly. Slightly lighter. Slider, slider. Voilà. Au lieu de mettre 0,1, on va mettre 0,5. La moitié. Slightly lighter. Hop. Donc c'est là-dessus. Hop. On va changer ça et on va faire slightly lighter. Ça s'écrit comme ça, slightly? Je sais plus. Donc là, ça devrait être à peine plus... Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors ça, par contre, ça me va pas du tout. Quand on survole, c'est la même couleur que le fond. Donc ça, c'est non. Ça, c'est... Quoique. Non, non, non. Non, non, ça, c'est non direct. Donc, on va la faire... Bah, il faut que ce soit plus clair. Donc, balsover, j'ai mis quoi? J'ai mis in... Non, je devrais mettre out. Parce que in.margoon.over, c'est la même couleur que in.margoon.normal. Donc out.margoon.normal. Donc je devrais mettre out.margoon.over. Pour que ça ressorte, ok. Et bah en fait, c'est cette couleur, lol. Bon, en vrai, c'est pas mal comme ça. Hein. J'aime bien. Sinon, un truc plus clair. Merde. Un truc plus clair. Donc nous, on a ça, nous. Light. Un dark point lighter, je l'utilise pas. Ah si, il est dans in.background.selected. Yes. En vrai, j'aime bien comme ça, c'est léger. Quand on survole, on voit qu'on le survole, hein, après. J'ai bien envie de faire quand on survole, il monte de 1. Enfin, il monte ou il machin. Ouais, bah du coup, ça veut dire qu'on doit faire un truc par truc. Yes. Donc non, on va pas faire ça. Bah au pire, je peux mettre clear.lighter ici. Hein. Lighter. Je pense que ça va être bien, ça. Voilà. Ça, c'est nickel, franchement. Nickel, nickel. Bon, bah c'est parti pour ça, hein. Ça passe en prod. Hein. Donc, dans cette version, j'ai rajouté le slider.
et les tabs. Et je voulais rajouter aussi une number box. C'est une box où on peut que rentrer des nombres, en fait. On va rajouter ça. Donc alors, je vais rajouter le truc que j'ai dit là. Voilà, on va rajouter ce padding là qui sera une propriété custom. Donc ça va être, je vais mettre genre tab padding, on va l'appeler. Voilà. Donc pour rajouter une propriété. Alors déjà il faut créer dans la classe du contrôle. Donc là ça va être notre tab contrôle à nous dans le namespace xenion.control. Il faut créer ce qu'on appelle une dependency property en statique. Donc dependency property, on l'appelle le nom de notre propriété tab padding suivi de property. Voilà. On va faire une dependency property.register. On va lui donner le nom de la propriété qui est donc tab padding. On va lui donner le type. Donc un padding, il faut savoir, mais c'est de type thickness. Et ensuite, il faut donner le type du contrôle qui va contenir cette propriété. Donc là, c'est notre tab contrôle à nous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut créer une propriété. Donc cette fois-ci, une propriété C sharp qui va être de type thickness, puisque c'est le type de la propriété, qui va s'appeler padding, tab padding. Et on va faire un getter qui va récupérer la value avec getValue et la dependency property en paramètre. Et le setter qui va faire exactement la même chose, setValue, tab machin truc, value. Voilà. C'est comme ça qu'on ajoute une custom propriété. Donc là, je peux accéder à cette propriété dans mon style. Vous voyez, c'est mon style qui est appliqué ici. Donc là, il va me dire, ok, c'est bon. Hop, dependency property, tab padding existe, c'est cool. Je peux même le setter ici directement si j'ai envie. Tab padding, vous voyez, il me l'autocomplète, il est là, hop. Je peux lui mettre une value, je peux lui mettre 48 pixels. Je peux même changer les autres trucs, genre 12 pixels en haut, 23 pixels ici et puis 64 ici, voilà. Et vous verrez que ça va appliquer notre propriété correctement. Vous voyez, il y a un padding là en haut, machin, truc, voilà. Très bien. Et bah c'est nickel. Comme ça on a notre petite propriété tab padding qui va bien. Je vais y mettre une valeur par défaut. Parce que moi j'aime vraiment bien le délire d'avoir le contour comme ça, voilà. On voit que c'est des tables comme ça, c'est je trouve ça bien, moi. J'ai même envie de limite mettre un peu plus que 8, genre 12. Non, en vrai, je vais pas le mettre par défaut. Je vais pas le mettre par défaut. Je vais mettre 0. Ah oui, donc si vous voulez mettre un truc par défaut, mais pas ici, parce que ici, du coup, ça bref, vous pouvez mettre ici une valeur par défaut. Il suffit de faire un new property metadata, et là, vous mettez la valeur par défaut dans le constructeur. Donc new thickness de 0. Enfin, je crois que si on initialise comme ça, ça fait 0 de base. On va vérifier quand même. Bon, je vais le mettre comme ça, au moins ça sera clair. Voilà. Ici. Pouf. Génial. Donc, et bah voilà, on a fini notre version 1.1. Alors, je ne vous ai pas montré. Je vous ai pas montré un petit peu le délire. En gros, voilà, ça c'est le repo du DLL, en fait, enfin du projet. Donc j'ai mis un README avec ce qu'il faut, donc une preview que je vais devoir refaire du coup avec les nouveaux contrôles. J'ai fait un wiki pour l'installer. Donc il faut downloader, enfin il faut télécharger le DLL ici.
Ajouter la référence, j'ai fait un petit gif et tout. Ajouter les namespace, XDW pour les Windows, XD pour les contrôles, exemple, il faut les ajouter ici. Le générique.xaml, il sera utile pour la combo box et la list box. Vous allez voir. un petit tuto pour dire voilà, il faut hériter la main window de Xeon Dark Windows. Il faut changer ici aussi. Et voilà. Donc on va pouvoir rajouter. Donc on va, ouais, en gros là ce que je vais faire, ça sera pas du code. Je vais m'occuper un peu du projet, du README, tout ça. Je vais pouvoir rayer les trucs que j'ai fait, etc., etc. Ok. Bon. Oh putain. En vrai, je parle un peu trop. Et, je parle un peu trop, ça me fait mal à la gorge. Donc, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Ça me fait vraiment mal. Bien. Alors, donc on va mettre other tab. On peut mettre une padding ici. Ah ouais. Mais non, pas dans la. Ah oui, d'accord. Non, je vais mettre une border ici. Bon, de toute façon, je vais another tab. Je vais mettre la disabled et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Et dans la first tab, je pense que je vais mettre. Ouais, non, c'est pas grave. Ok. Ok, c'est parti. Je vais faire le petit gif qui va faire la preview. Donc, on va faire ça. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Ok, j'ai le slider. Nickel. Nickel, nickel. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est ShareX. On peut faire des screen recording en GIF directement. Donc après, il suffit de sélectionner la fenêtre qu'on veut. Et ça va partir direct. Donc là, il faut que je me prépare. Je suis en QWERTY, donc je vais devoir taper W Radeon, tout ça, tout ça. Voilà, je fais mon petit gif. Hop. Qui est enregistré. Donc je vais pouvoir supprimer celui-là. Bon, non, je vais le laisser en vrai. Donc je vais l'ajouter. Hop, existing items. Toc. Document. Donc c'est celui-là que je vais renommer Xeon Dark V1.1.0 Preview. On va changer les README, on va tout fermer là. Hop, close all documents. Alors avant. Je vais aller dans le Git du projet. Tac. J'ai fait quoi là? J'ai fait ouvrir avec code, mais putain. Prutive.
jet. Ta, 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 ta. Voilà. Hop, comme ça. Je vais pouvoir. Truc. Donc. Je vais tout ajouter. thème, controls. Et. Alors, le CS Pro, j'ai quoi ? Oui, 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 donc git add xenodark.csproj, ok. Tab panel, tab control, added, tab control. Hop. Nickel, je crois que le commit juste avant c'est slider, voilà. ensuite, donc là je vais modifier le readme. Le readme qui est ici. On va changer la version. Pef. Voilà. En vrai, j'ai envie de refaire mon gif parce que j'ai mis horizontal ici et j'ai pas mis le vertical. Du coup, j'aime pas, c'est moche. Ouais, je sais, il m'en faut pas beaucoup. Pour, bref. Pardon. Toc. Yes. On va refaire rapidement. Tout va bien. Toc. On bouge ça. Screen recording. Putain, ça a bugué. J'ai cliqué sur file, ça a bugué. Vas-y, je refais. Je vais supprimer l'autre. Badadam, badadam, ça va. Je sais pas pourquoi ça... C'est comme si ça avait pas cliqué correctement. Voilà. Je crois que je me suis planté. Ah non, il est là. Putain. Right. Donc ça, on dégage. Pouf. Voilà. Le readme, on vérifie que tout va bien. Non, il a pas rechargé le truc. Oui, il y a toujours le horizontal. Bon, en vrai, c'est bon. Je. On va faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Toc. Très bien. Donc, on va rajouter les contrôles. Donc, j'ai rajouté slider. Slider tab control, les habités, enfin tab item, il est pas, ouais.
Et donc slider, ok. Donc, tab, il sera là. Donc. Et slider, il sera ici. Right, maintenant je peux rayer slider et dire version 1.1. Bon, ta panel ça compte pas vraiment, mais bref. Version 1.1.0. Voilà. Ah oui, et donc je voulais rajouter les number box. Parce que je vais en avoir besoin dans mon projet aussi. Donc. Donc, on va faire un custom. Là, ça sera un vrai custom. On va le rajouter juste après textbox. Donc juste là. Donc il faut tout décaler. Et c'est relou à chaque fois de tout décaler. Bon ça va, il n'y en a pas grand monde aussi. Enfin voilà. Voilà. Tic tac. Patatrac. Badabadaba. Pam 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 pam. Hop. Change d'ici. Paf. Ici, ça sera number box. Donc ça sera une number box et ça héritera bien entendu de textbox. Alors, donc regardez un peu comment ça marche. On va donc comme tout à l'heure créer un contrôle personnalisé. Toc. Number box qui va hériter de textbox. System.windows.controls.textbox. Hop. Ça c'est tout. Ah oui, enfin on aura bien entendu les paramètres et tout. Et même un peu plus de choses aussi. Le style, je vais pas me faire chier. Hein. Générique. Number box. Hop. Yes. Ok, ça, on change. Controls. Et on importe simplement text box. Voilà. Et regardez, attention, style. Je le fais en une ligne. Target type, x type, local number box. Based on static resource, x type. Local de textbox. Hop, voilà, en une ligne, je prends tout le style de la textbox et je le fous dans la number box. Du coup, ça veut dire que il aura un placeholder. Ah oui, donc non, il faut pas qu'il hérite de textbox, il faut qu'il hérite de ma textbox. Voilà, comme ça, il aura le placeholder. Donc là, si je lance le truc tel quel, en ajoutant bien entendu ici le number box. Number box, toc. Si je lance le truc tel quel, ça devrait marcher 100%. Vous voyez, comme ce qui se passe là, quoi.
Ah oui, donc il y a ça qui s'est rajouté aussi, il faut le virer. Donc voilà, et donc là on a une deuxième textbox quoi, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais bon ça aussi c'est bon, ça c'est normal. Sauf que on va rajouter un truc. C'est qu'en fait le texte, en fait on peut que, en fait il faut que le texte soit, bref vous avez compris. Faut que ça soit un nombre, quoi. C'est ça le truc. Donc, on peut pas rajouter de lettres ou... Voilà. Donc, on va faire un property override on text changed. Alors, c'est quoi on text input et on text changed? C'est quoi la différence? On va voir. Hop. Protected override void on text change. Hop. Ah oui, mais non, parce que là, du coup, il va me... Voilà, juste pour être sûr qu'il me prenne bien le bon, la bonne textbox. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il contient? Semtext, dadadadadadada. On va juste faire un message box, hein, tout con. E.text. On va mettre plusieurs choses. E.contrôle texte, je sais pas ce que c'est. E.système texte. Sans l'espace, là, voilà. Et E.texte composition. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ok. Et là, normalement, on doit juste avoir un. Old text, new text, une connerie comme ça. Changes. For each. Allez, mais please. Ça, c'est de la merde aussi. Pourquoi il marche pas sur les collections, le for each? Pourquoi je peux pas faire un for each sur une putain de collection, quoi? Faut que je le convertisse en tableau, là? Non, il faut que je le convertisse en liste. Et après, là, je peux faire un for each. C'est vraiment débile. ok. What? Ok, donc en fait un change c'est moins de lettres, plus de lettres, ok. Ok, ok, bon. Donc E. Undo action. Ah, pas mal, ok. Ok, je vois le genre. Bon, on va juste voir ce que c'est text input, je sais pas ce que ça fait. Donc là, c'est notre textbox. Par contre, là, attention. Je vais écrire un caractère. Hop. Ok, donc texte c'est vide. Contrôle texte c'est ça. Système texte machin machin. Ok. Là si je rajoute une lettre. Ah, ok, d'accord. Et texte.composition, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Et donc il y a quoi dans texte.composition? Ouais, pourquoi je me fais chier en fait? On peut très bien faire ça comme ça. Hein. Comme ça, on peut regarder exactement ce qui se passe. On regarde ça et puis. Alors, le check change. Ah oui, non, ça, on s'en fout le texte. Voilà. Donc là, si je mets un E majuscule, qu'est-ce qu'il a? Donc, E. Point, donc, handled, c'est quoi? False, d'accord. Donc e.text c'est e, d'accord. System text c'est rien. Routed event c'est texte machin truc, ok. Et donc texte composition qu'est-ce que c'est? Texte e, nanana. En vrai je peux faire juste texte
Et j'ai mon... Ah non, il est pas encore. Ok, donc un text input, il est pas encore mis le texte. Donc là, si je fais continue, je vais aller là-dedans. Et là, par contre, le texte est mis à jour. Ok, donc il faut pas que je le fasse sur un text input, il faut que je le fasse ici. Et donc, regardez. C'est pour ça que c'est pas mal. Ici, on peut faire le undo action. On peut setter le undo action à undo. Si jamais on met un mauvais caractère. Ah merde. Ah non, c'est read only. Ça, putain, ça peut être stylé de changer le undo action là, non? Undo the must. Ok, on verra ce que ça donne. Là, je fais un undo à chaque fois que je change le texte. Cannot undo or redo while undo init is open. What? Ça veut dire quoi ça? Je mets des trucs, je sais pas, on teste. Et je pense que je vais faire une pause aussi tout à l'heure. Mais quoi? Well, undo unit is open. C'est quoi ce truc? Alors, stack overflow, dadadada. Instead of using undo and section, je suis juste le preview text input et data object. In the preview text input, set e to true. That happened. Oh non, non, non. J'ai pas compris. Tout trou, type de texte, machin, truc. Ok. Bon, bref, je vais faire une pause de 5 minutes. Je reviens vraiment dans 5 minutes à 15h. Et puis voilà. Alors attendez, je vais juste. toc. Je vais faire un petit texte pour dire break. Hop. Ok, on va canvas size tuc hop. Ah non, je crois qu'il y a un G. Ouais. Tac. Ok. On va sauvegarder ça. PNG. Break. PNG. Alright. Maintenant, je vais faire une nouvelle scène. Break. Hop. On va ajouter une image. Background. Attends, mais du coup, okay. Une autre image avatar. Toc.
Et une autre image. Short break. Qui sera dans Pictures, Twitch. Ici. Center. Non, alors toi, tu vas rester au centre. Merci. Ok, et ça, je vais le bouger. C'est... Non, il est trop... Il est trop bas. Ok, donc ça, on le baisse. Voilà, et bien tout à l'heure, je fais une petite pause et puis je reviens.
Ruff. Bien. Donc j'ai réfléchi à pas mal de choses et en fait on va avoir besoin du un text input. Ah, un preview text input, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Alors, ce qui va se passer. Déjà, on va avoir plein de propriétés. Donc, comme tout à l'heure, public, static, dependency property. On va avoir donc le number type property. Est-ce que c'est un float ou un entier ? Enfin, décimal ou entier. Bon, je vais mettre float. Enfin bref, on verra. Donc, dependency, talalala, register, number type. Type of number type, ça va être une énum. Et type of number box. Hop. On va créer l'énum ici. Public énum number type. Integer float. Ok. Ensuite, on va avoir une énum pour le sign, number sign, positive, négative, pof. Ok. On va avoir aussi. Bon, après, ça sera des int et tout. Donc, on copie ça. On remplace type. Alors, on remplace number type par number sign. Ok. What? Merde. Right. Ensuite, on va avoir. Plus statique, dependency property. Max minimum. Minimum value. Donc minimum property pour avoir le minimum, le nombre minimum. Donc c'est un type of, ça sera un float, enfin ça sera un décimal, parce que dans le cas où on veut faire un nombre à virgule, vaut mieux avoir un décimal. Ok. Right. Donc ça aura une truc par défaut, donc ça va être number type. Ça va être float par défaut. Est-ce que j'ai envie que ça soit float par défaut? On va mettre integer. Integer. Number sign. On va mettre positif par défaut. Okay. Le minimum. Bon ouais, OSEF. Le minimum, ça sera decimal.minValue. Ok. Maximum property. Ouais, j'aurais pu copier, mais. Décimal.max. Alright. Maintenant, on aura. Alors, on aura aussi le nombre de chiffres après la virgule. Donc, on appelle ça précision. Float précision. Property. Donc ça sera un entier. Par défaut, ça sera... On met pas de par défaut. Ok. Maintenant, on va faire les propriétés. Salut Blue Eyes. Comment vas-tu ? Merde, pas du tout ça.
ça va être donc number type. Number type. Salut, salut. Bienvenue sur ce stream. Nous sommes en train de faire un thème WPF. WPF, en gros, c'est ce qui permet de créer des applications Windows. Tu vas avoir un aperçu tout à l'heure quand je vais tester. Oui, c'est bon, je crois. C'est parti, je vais faire une pause dans mon code car Visual Studio me prend la tête avec des erreurs incomplètes. Ah, bah si t'as des problèmes et si t'as des problèmes, tu peux poser tes questions ici aussi. Hein, y a pas de souci. Y a aucun problème. Donc, hop. Ensuite, on aura le décimal minimum tout court. Décimal get value. Minimum property. Set value. Minimum property. Value. Ok. On aura strictement la même chose. T'inquiète, je suis un dev C# PHP. Ok, pas de soucis. Merde. Pas de soucis. Je proposais ça comme ça, quoi. Maximum. Et le floating point, enfin le float précision. Donc un int float précision. C'est un int float précision property. Float précision property. Voilà. Donc comment ça va se passer tout ça? Donc text export, on va pouvoir récupérer. Alors donc du coup là il me faudra le old le text before change qu'on va citer ici. Text before change égale text. Ok. Bon, en fait, j'ai pas besoin du text change en fait. Parce que là, je peux récupérer le caractère que je suis en train de mettre. J'ai une erreur du style impossible de convertir implicitement le site Windows Forms en Windows Forms. What? D'accord. Tu utilises Windows Forms? Ça commence à être un peu vieux, ça. Enfin, tu me diras, WPF, c'est pas le dernier truc non plus. C'est le UWP, le dernier. Le tout dernier. E. Donc, système. Non, texte. Oui, c'est ça. Ok, donc. Donc, je sais pas ce que je fous avec ça, mais on s'en bat les steaks. Donc, on a le texte before change, ça va être celui-là. Et le caractère, enfin, le input, ça va être ça. Added text. Text added. Non, je suis en console, mais c'est pour un projet de licence. Ah, ok. Ok. Ouais. Donc. Ah oui, mais le texte added. Ouais, mais attends, c'est con. Ça va pas me faire du tout ce que je veux là. Parce que regardez. Regardez, c'est quoi cette merde? Ce qui va se passer. Donc là, par exemple, j'écris un 1. Cool, on est content. Je mets un autre 1. On est super content. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que si je mets un nombre entre les deux, en gros, j'ai un serveur web où tu glisses ton projet complet et ça te sort un exécutable où il y a juste le code de connexion, mais rien d'autre. Ah, ok, d'accord, ouais, je vois. Ouais.
Ok. Oh, c'est pas mal. Ouais. Pas mal, pas mal. Donc, ouais, ce qui va se passer là, c'est que regardez, j'ai mis un 2 au milieu. Et en fait, le text before. Ah, pas du tout. Ou alors, il faut que je l'aie avant. Attends, what? Donc, e.text. Voilà, ce qui va se passer, c'est que le e.text est 2. Sauf que je ne sais pas où est le 2. Mais de toute façon. Ok, donc là déjà on a un problème, c'est qu'on n'a pas le text before. Donc je pense que le text before il sera ici. Normalement. On va voir. J'espère. En fait, on s'en fout du text added. On va juste essayer de parser le truc et voir si ça fonctionne. Voilà, donc là le texte est vide. Et là le e.text c'est 1. Parfait. Enfin, je vérifie quand même, hein, mais. Donc là, je sais pas ce que j'ai mis. Donc là, le texte avant, c'est ça. Et le texte après. Non, texte. Voilà. Donc texte before égale 1, mais texte est maintenant 15. Ok, c'est bon. Ok, ok. Non, c'est bon. Du coup, c'est pas besoin de tergiverser. Donc texte before, texte after. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que. On va simplement annuler. Donc on va faire simplement texte égale texte before. Si on a un problème, c'est ça, oui. Si on a un problème, si on écrit de la merde, on va revert le texte. Donc là j'ai pas mis de condition, donc ça va revert le texte à chaque fois. Donc là je vais essayer de taper un truc, voilà. Là je tape des trucs mais ça marche pas. Donc là du coup ce qui va se passer. Alors première étape. Et je crois quand même qu'il y a un truc pour. Ah putain, il y a le timestamp. What? Il y a ma ce truc. Je pense qu'il y a un truc handled. Si je le mets à true. Si je le mets à true ici. Je pense qu'il va pas me mettre à jour le texte en fait. Ouais. Parce que du coup, je lui dis avant qu'il fasse son truc, je lui dis c'est bon, le text input est géré. Donc quand il va là-dedans, il va faire est-ce qu'il est géré ? Bah oui, bah du coup je fais rien. Donc il fait rien. Je sais pas si c'est plus propre. Je pense que ça va être plus propre. Le problème c'est que je peux pas le mettre après en fait. Parce que si je le mets après, ça va rien faire quoi. Voilà, je peux toujours écrire quoi. Mais le problème, c'est qu'il me faut le texte après, en fait. C'est ça le problème. Donc je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser tel quel. Ok, bon, c'est pas grave. Donc première chose. Number type. Donc si number type c'est un integer. Sinon. Hop, float. Voilà. Comme ça, on a les deux cas. Dans le cas où c'est un entier, on fait si on arrive à parser donc le texte after. Si on arrive à parser le texte after. Ah tiens, bah, je vais mettre une value aussi. Bah oui, je peux mettre une value. Ah ouais, mais le type de la value, elle va dépendre. Putain. Elle va dépendre du type du number type. Interesting hearing English code being read in French. What? I think everyone should code in English. So, I never coded in French. That's too weird. Like, valeur égale propriété de dépendance. Anyway. Donc, value, dependency property, blah. Register.
Oh, you mean, yeah, I agree. Max questions on Stack Overflow, but I need the language, but then I'm not just... Ah, yeah, yeah. Yeah, obviously, every resources in on the internet are in English, so... Yeah, I don't have the choice. Fuck. Donc, value property. Putain, je sais pas si je fais ça parce que du coup ça va dépendre du ou alors je fais deux number box non ça va être comme ça. Bon sinon je fais integer value et integer value et float value et puis comme ça je me fais pas chier hein. Donc ça sera integer type int number box talalala. Et puis je fais une float value hop qui sera de type décimal. Bon c'est enfin bref oui bref, on s'en fout. Ces deux properties vont être intéressantes à récupérer. Je sais pas si j'ai besoin de mettre des dependency properties du coup, parce que ça sera des properties en read-only en fait. Donc autant les registers en read-only. Mais je crois que ça renvoie une clé ça, non? Ah non, il faut le property metadata. Ok, attendez. New. Alors attendez. Oui, non, il faut le property metadata, je sais pas pourquoi. On va mettre ça comme ça, voilà. Parce qu'il faut il faut le truc par défaut, c'est ça? Ah oui, et du coup, read-only, regardez, ça renvoie une clé, ouais, c'est ça. Hop, donc ça sera une clé. What? C'est bon. New property metadata de 0 float. Enfin, décimal. Décimal, c'est M, je crois. Dependency property register. Oh putain. Ok, je crois que c'est M. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Donc. Oui, non, il me faut les. Ah, ben, j'aurais que un getter en fait. Integer value. Int. Get. Get value. De. Integer value.property.dependency property. Je pense que c'est comme ça. Décimal float value get value float value property key point dependency property. Ok. Oui, c'est pas un float, du coup c'est un décimal. Bon. Pas grave. Ok. Donc là, du coup, ce qu'on pourra faire, c'est... Bah oui, mais si c'est que... Du coup, il me faut un private set, non? Ouais, mais là, ça marchera pas. Ça marchera pas, du coup. Parce que si je mets ça... Il va me dire, oh, c'est read-only, va te faire foutre, tout ça. On va tester rapidement. Alors, la number box, elle est là. On va mettre. Une grid. Merde. Putain de shot.
Colonne définition, on va faire deux colonnes. Une qui sera 32 et l'autre... Putain. Allô ? Merci. L'autre comme ça. Ça sera à grid.colonne 1. Et du coup, ici, on va mettre un text block. Grid.colonne 2.0 qui aura comme texte binding value, non, integer value, element name égale number box 1. On va faire comme ça. Toc. Hop. Donc celui-là, on va le nommer du coup. Xname number box 1. Voilà, et donc, vu que c'est du read-only, là, le mode, je vais être obligé de dire one way to source. Non, one way. One way. Vu que c'est du read-only. Ok. Je vois pas le texte, il est où ? Putain, pourquoi ça lag le... Chier, hein. Bon, le texte, il... Bref. Ça lag de ouf, c'est un truc de malade. Ok. Maintenant, il faut le setter. Sinon, ça... Sinon, voilà. Donc, ça va être ça, le truc. Donc, int value. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il va me dire... elle n'est pas utilisée ? Oui, d'accord. Donc, out value. Donc si on arrive à parser, bah on fait simplement integer value égale value. Ah oui, non, maintenant il faut tester. Il faut tester. Donc, on a la value. Donc, si minimum est inférieur ou égal, minimum inclusif à la value, et que la value est inférieure ou égale au maximum, c'est bon. C'est tout bon. On set la value. All good. Sinon, si c'est pas dans le range, on s'en fout de float précision parce qu'on est en entier. Mais il faut regarder. Il faut regarder le signe. Donc si. Hey, masse truc quoi. Si le signe c'est positif. On vérifie que l'entier est supérieur à 0. Ok. On va mettre un booléen. Is valid. Je pense que je vais mettre des petits trucs ici comme ça. Hop. Is number type valid. Donc là. Is integer, on va mettre string text out int value if int.tryParse text out value bah retourne en fait. Ok, ensuite is the float string text out decimal value retourne decimal.tryParse text out value. Ok. Is number sign valid. Donc là ça va être un décimal, ça va être la value, on va lui passer directement la value. Et on va simplement faire number sign. If number sign c'est positif, on retourne value super égal à 0. Parce que ça inclut du coup. If number sign égal égal number sign point négatif, on retourne value inférieur égal à 0. Et sinon on retourne true.
Parce que dans le cas où c'est both, dans le cas où c'est both, bah, on n'a pas besoin de checker le truc. Quoi, donc, ok. Et là, is value in range. Donc pareil, decimal value retourne minimum inférieur égal à value et value inférieur égal à maximum. Alright. On peut optimiser la place tranquille. Hop. J'aime bien écrire des fonctions comme ça en une ligne, c'est sympa. Oups. Ok. Donc voilà, on a fait toutes les fonctions qu'il nous faut pour checker si tous les trucs sont bien tranquilles. Ah non, il nous manque un truc. Prickbool is float precision valid. Donc là, on donne le string texte. Et on regarde simplement text.split de point de 1. Point length égal float précision. Enfin, du coup, est inférieur ou égal. Voilà. Bon. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir tout checker ici. Donc, cinematic syndicate. Donc, si is integer de text before, text after, pardon. Je vais l'appeler text, ça va être mieux. Out value. Ensuite, il faut checker si la value est in range ou le number sign valid. Donc value. Et is number sign valid de value. Et is value in range de value. Donc si tout ça est respecté, is valid égale ça. Ok. Yes. Ensuite, is valid égale is float de text out value et is number sign valid de value et is value in range de value et is float precision valid de text. If, si c'est valide, c'est bon, mais si c'est pas valide, le texte devient le text before. Ok ? Bien ! Donc voilà. C'est très clair. Donc là, par exemple, regardez. Il est où ? Main window. Ça, on va le cacher parce que ça fait laguer. Donc, on va tester. Donc, minimum, ça va être 0. Maximum, non, on va quand même tester avec d'autres valeurs. Ça va être 1. Maximum, ça va être 128, on va dire. Number type, ça va être integer. Et number sign, ça va être positif.
toute façon, les range, le range est positif. Donc, a priori, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de ça, mais bon. Ok. Donc là, regardez ce qui se passe. Donc là, déjà, ce qui va se passer, c'est que je peux même mettre 0. Parce que si je mets 0, bah, je suis en dessous du minimum. Donc là, je suis obligé de mettre au moins 1. Ok ? Alors, la value n'est pas 7. La value n'est pas 7, c'est normal. Integer value égale value. If is valid. Et là, je vais faire pareil. Float value. Ok ? Très bien. Donc là, je peux pas mettre 0 parce que si je mets 0, bah, je suis en dessous du minimum. Je refais ça, voilà, pour voir exactement ce que j'ai mis comme truc. Toc. Donc minimum 1, machin. Donc là, si je mets 1, yes. Donc voilà, elle est read-only, donc elle peut pas without another. Ok. Ah, donc il faut une autorisation key. Ok, alors attends. Qu'est-ce que c'est ? Set value. Ah, attends. Tagger value QWERTY key. Value, comme ça ? Du coup ? Est-ce que ça marchera ? Que ça marchera. Toc. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé là ? Là, j'essaie de mettre un 1, mais il m'empêche. Parce que ça va dépasser le nombre 128. Donc là, si je mets 12, ça marche. Si je mets un 9, il veut pas me le mettre. Par contre, si je mets un 8, il me le met. Et là, je peux pas mettre 2 points parce que c'est pas un nombre à virgule. Mais voilà, mais je peux mettre vraiment n'importe quoi. Je peux taper ce que je veux. Ah, alors oui. Bon, ça, c'est normal. Enfin, ça, du coup, c'est parsable. Ça se parse. Bon, après, effectivement, si... Est-ce que je fais... Ouais, du coup, ça marche pas. Okay. Je vais régler ce problème, et du coup, le integer value ne marche pas. C'est pas one way alors, c'est one way to source peut-être. Alors, juste un truc, si on met des zéros devant, machin, ok, super cool. Else. Donc là, on est dans le cas où c'est valide. Right? C'est valide. Mais si jamais, si text.startWith 0, est-ce qu'on peut faire un out? Non. Donc on va faire un match. Donc regex match. Non, c'est quoi l'autre type ? Non, match. Voilà. C'est quoi le type ? Mais qu'est-ce qu'il me fout ? Regex. Putain. Var l égale regex.match, c'est du match. Donc, input, ça va être notre texte. Et le pattern, donc ça va être une infinité de 0. Donc, 0 plus. Ok. Suivi de n'importe quoi. Si. Si c'est un succès, si on a matché.
Alors on va faire texte. On va faire regex. Replace. L'input c'est texte. Le pattern ça va être 0 plus. Point étoile. Non, n'importe quoi. Oui, pardon. Du coup, c'est ça. Hein. C'est début de la chaîne, hein, bien entendu. Voilà. Donc on remplace tous les zéros par rien. String.empty. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, peut-être que ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Et on a toujours pas le type. Ok. Donc là, si je mets 0, ça marche pas. Ok. Là, si je mets 1, et là, si je mets un 0 devant, c'est génial. Ok. Alors. On va tester quand même. C'est quoi le problème? Donc là, je mets un 1. On s'en fout, le texte il match pas. Et là je mets un 0. Donc le texte c'est quoi? C'est 0,1. Success true. Ok. Donc il va replace 0,1 avec ça, avec une chaîne vide. Bah oui. Je set pas en fait. C'est pour ça. Yes. Ouais. C'est pas magique. Hein. C'est pas très magique. Donc là, je peux mettre 128. Et si je mets des 0 devant, vous voyez, je peux pas mettre de 0. Enfin, si, je peux en mettre, mais du coup, ça les enlève. Donc là, peu importe ce que je fais. Si je peux écrire n'importe quoi, je peux même regarder copier. Hop, je copie ça. 1. Ok, je copie ça. Je fais CTRL V. Ah! Alors, ça c'est embêtant. C'est embêtant. C'est bizarre. On entre peut-être pas là-dedans. Bon, j'ai toujours dans mon... Ouais, on n'entre pas dans le text input. Ok. Donc cette fois-ci, on va aller dans le onTextChange. Donc ici, protected, override, onTextChange. Voilà. Et donc là, on l'aura. Sûrement. Je pense. Enfin, j'espère quand même. Oui, non, mais ta gueule. Ok. Hop. Voilà. Donc là. Ta-da-da-da. Change 1. Added length 11. Boum. Ok. Donc là, le texte. Ah, mais le problème, c'est que. Ah, si, le texte est 7. Ok, bon, on appelle exactement la même chose que onTextInput. Donc, pourquoi je l'ai mis tout, pourquoi j'ai mis tout mi public là? Invalid string text. Hop. Out. String new text. On retourne deux choses en fait. Enfin, ça revient à faire ça quoi. Donc ça on laisse. Ta-da-da-da. Hop. Voilà. Hop. Très bien. Donc ici on retourne. Donc on a le bool is valid qui démarre à false. On retourne. Pardon. On retourne is valid. Et donc new text. String text, donc il nous faut le string old text before. Ok.
Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, must... oui, d'accord. C'est pas... Bah, new text, il est là. Si c'est pas valide, là, sinon, new text égale text. Replace de texte machin, sinon new text égale texte. Voilà. Ok. Donc là, on peut simplement appeler. IsValid. Donc textBefore, ça va être textBefore. Le texte, ça va être texte. On peut mettre texte comme ça directement. Et le new text, on va faire un out dans text directement. On peut faire ça ou pas? Non, on peut pas. A property may not be separate. Ah, ok, d'accord, on peut pas setter la property. Ben, on va la mettre dans new text. New text égale text before, on va mettre. Voilà. New text. Et là, on va mettre text égale new text. Voilà. Et donc là, pareil, alors là, il faut que je vérifie un truc, parce que j'imagine que on n'aura pas le text before, en fait. Donc on va faire pareil, isValid de text before. J'ai même pas besoin de... En fait, je peux retourner le texte directement, en fait. New text. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Égal text before. Si c'est pas valide, bah on fait rien. Donc new text. Égal, enfin on retourne text before, sinon au pire. New text égale text, on va le faire comme ça. Ici on fait return text before. Ici après on fait le match, le machin, le truc. Et là on retourne new text. Ok. Donc text égale ça. Hop. Nickel. Ça s'appelle plus new text. Ok, mais le problème c'est qu'on n'aura pas le text before ici. Toc. Et c'est ça mon problème, en fait. Simplement. Ah oui, donc ça c'est ok, c'est le disabled, super. C'est celui-là quoi. Donc ça c'est le 1, et du coup, bah voilà, le text before c'est 1. Enfin, le text before, c'est rien, en fait. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... Ouais, mais le problème, c'est que si on copie un caractère, ça marche, quoi. C'est ça qui est chiant. Comment on peut savoir si c'est copié ou pas ? Bon, là, on va continuer. Ok, là j'ai mis un 1, ok. Je copie un 1. Là je vais dans le text change, ok. Mais je vais pas passer dans le text input, bon, parce que j'ai peut-être pas mis le truc, ok. Donc là regardez. Donc là, regardez, je mets un 1,
je vais dans le text input et après je vais dans le text change. Ok. Par contre, si je copie un 1, je vais juste dans le text change et c'est tout. Je passe pas là-dedans. Et le problème, c'est que j'ai pas le text before, donc je peux pas revert. C'est ça le problème. Sinon, ce qu'on peut faire... Ouais, mais non, je l'aurai jamais. Ok, si, je peux l'avoir. Est-ce que ça a marché ça? Parce qu'en fait là, je peux mettre même le text before, je peux le mettre ici. Ça c'est bon, ça marchera. Sûr à 100%. 100 milliards de millions de trilliards, par contre, si c'est bon, ça marchera. 100%. Sauf que voilà. Bah oui, parce que la value disabled, c'est pas 1. Bon. Donc, pour pallier à ça, il suffit simplement de changer ici le texte. On va mettre un placeholder. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, regardez ce qui se passe. Donc là, je copie pas de nombre. Ok, super. Là, je mets un 1. Ok, ça marche. Hop, hop. Et là, je vais mettre un nombre en plus. Ça marche pas. On a dit qu'on était à 128. Hein. 128. Pareil, là, si je veux mettre un moins, ça marche pas. Là, si je mets un 0, ça marche pas. Hop, 93, toc, toc. 113 ça fonctionne, 128 ça marche, 129 ça marche pas. Mais là regardez, je vais copier tout ça. Ah, et donc là du coup si j'enlève le 1, il veut pas que je l'enlève parce que du coup la valeur minimum c'est 1. Mais là regardez, je copie, là je fais CTRL V là. Oui bon, ces boutons ils marchent pas en fait, mais... Ah oui, ils sont là, ok. Vous voyez là, je fais clic droit, coller, il veut pas me le copier. Et pareil. Donc là, par contre, si je copie un 2, là, il va marcher. Par contre, je peux pas copier plus. Vous voyez ? Donc ça fonctionne. Très bien. Bah voilà, on a une petite number box qui marche bien. Donc on va tester les floats, parce que c'est bien gentil, les machins, là. Mais... Donc le minimum, maximum, ça marche, je me fais pas trop de soucis. Là, on va faire number time both. Et float précision... 2. Attends, j'ai bien vu flow direction là. Ah bon? C'est pour l'arabe et les trucs comme ça? Ah ouais. Oups. Index what offre. Oui, pardon. Excusez-moi. J'ai un peu déconné là. Voilà, il faut qu'il contienne ça. S'il ne contient pas ça, bah retourne true. C'est bon, c'est valide. Allô ? Oh putain. Ok. Très bien. Bon, ok. Non, je vais enlever ça parce que c'est de la merde. Ok, super. Oups. Hop. Alright, now, enter your age. Bref, bon, je peux changer le truc. Bon, par contre, le truc, il marche pas, ça fait chier. Bon, je vais regarder après. Donc là, voilà, là, a priori, je peux mettre n'importe quel nombre. Enfin, en fait, je peux mettre le nombre maximum, voilà. Donc là, vous voyez, ça se bloque tout seul. Parce que je connais pas le nombre maximum, moi, donc... Donc voilà, bref. Mais par contre, ce qu'il faut tester, c'est le float. Alors ça, par contre, pourquoi ? Alors ça, par contre, c'est bizarre. En fait, je mets 0,
Là, j'essaie de mettre, de supprimer le 1, ça marche pas. Ah bah oui. En fait, non, ce qu'il faut faire, c'est... ta 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 ta, ok, text before, machin. En fait, si le texte, c'est empty ou nul, ou white space, de texte, texte égale 0, que si le minimum est supérieur à 0. Et le maximum est inférieur à 0. Non, attends, quoi ? Bon, déjà, on va tester ça, mais a priori, ça marche. Faites la regarder. Ok, non. Stack Overflow. Bah oui. Mais pourquoi il fait pas de Stack Overflow sur le new text alors ? Ok. Non, je vois ce qui se passe. Du coup, ça c'est en premier. On va le mettre dans l'ordre. Le onTextInput, il est en premier. Quoi qu'il arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit boolean. Private bool. New text handled. Ok. Donc c'est le premier, ça. On text input. Donc si on est rentré là-dedans, voilà, on peut faire text handled égale true. Et ici, si le new text n'a pas été handled, touc, eh bien on le handle. Hop. Et à la fin, new text handled égale false. Ok. C'est un truc comme ça. Grosso merdo, je pense que... Ok. Donc là, si je mets 0... Ah, j'ai encore une stack overflow. What? Oui, donc il faut démarrer à false. Okay, donc là je mets un 1. J'arrive. Le texte n'a pas été handlé. Tout sous de ma gueule. Bah si, je suis rentré dans... Ah non, c'est dans le onTextInput. Attends, what? Et... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, c'est lui qui... D'accord. Donc là, j'ai tapé 1. Et c'est text change qui fait en premier. Ouais, attends, je comprends plus rien. Là. Je ne comprends plus rien. Ah, mais non, je sais. En fait, c'est onTextInput qui change onTextChange. Enfin, qui appelle onTextChange. Allez. Donc là, déjà, c'est bizarre que j'ai rien. Alors que le... Ah non, parce que là, le placeholder, ok. Donc là, je fais 1. Il fait ça. Ensuite, il appelle onTextChange. Donc là, il fait tout son bordel, machin. On va aller plus vite. Toc, 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 toc. Et après, il appelle textInput. En fait, onTextInput appelle onTextChange.
Bah non. Il est false. Si j'en suis là, il est false. Ah non, non, non. Si je rentre à l'intérieur, je suis false. Sinon, ça veut dire qu'il est true. Donc on change. Et là, pareil. If new text and led. Voilà, bon, c'est un petit switch. Ok. Bon, a priori, je peux même. Je peux même faire ça. Hein. Parce que là, dans les deux cas, je change le truc. Donc. Voilà. Voilà, ça marche. 100%. 100%. Voilà. Donc là, a priori, c'est bon. Et là, ah, donc 0. Ah, putain, mais le 0, il marche toujours pas. Fait chier. Qu'est-ce qu'il fait, là? Là, je le change aussi, le texte. Donc, undel, c'est false. Donc texte. What the fuck. Donc en fait je suis con parce que c'est onTextInput qui est appelé après. Parce qu'en fait onTextInput appelle onTextChange. Donc en fait c'est onTextInput qui est après. Donc on va redécaler. Parce que du coup, je m'étais planté. Ok. Bon, alors déjà, on va tester, voir si ça marche, déjà. Voilà. J'ai eu l'heure de... Non, c'est bon. Donc voilà, hop, je peux pas mettre de lettres. Je peux pas mettre de 0, je peux pas mettre de points, je peux mettre des virgules. Ah, mais vous voyez, là ça s'est bloqué. Je peux pas mettre de. Je peux mettre plus de précision en fait. Alors, ah, ça par contre. Ok. Non, mais je vois ce qui se passe. Parce que du coup, ça le set. Du coup, on va faire ça. C'est vraiment le bordel, mon truc, ça fait chier. En fait, il faudrait que je le fasse dans onTextChange et que dans onTextInput, je set le texte, en fait. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Ça va être beaucoup plus simple. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Let's go. Let's go. Donc pareil, je peux pas taper machin, je peux pas taper de 0. Et là, hop, je suis obligé de faire un truc. Ok, bon, ça marche comme tout à l'heure. Et donc là, par contre, si je supprime tout. Ah bah d'accord. What? En fait, quand je supprime un texte. Ok, on va essayer comme ça. Hop. Du coup, en fait, je fais rien dans text input alors. Va te faire foutre. Voilà. En fait, je fais tout dans text change.
Vous voyez, là, je peux pas supprimer le truc. Parce que sinon, ça ferait 0. Et. Ah, mais oui, mais non, mais je suis un mongol aussi. Putain. En fait, il faut qu'il y ait des trucs après. S'il y a pas de trucs après. Si le texte commence par plein de zéros. Mais pas de points. C'est-à-dire que là, il faut pas qu'il y ait un point. Là, c'est tout sauf un point. Je pense. Bah non, parce que du coup, je peux rentrer. Donc là, regardez, je mets 0. Je mets 1-0, ça marche. Mais par contre, du coup, voilà, ok. Et maintenant, je mets point. Ça marche aussi. Et là, si je mets 1-0, ok, ça marche. Et là. Ah! Donc ça marche. Par contre, pourquoi quand j'écris 0 ? Ah bah oui, parce que du coup, il me remplace. En fait, il faudrait remplacer le 0 si jamais il y a un point. Ok, donc là, il faut... Il y a deux cas. Si le texte contient... Bon, c'est un peu le bordel, je suis d'accord que c'est pas le meilleur truc, mais bon, ça marche. Hein. Si le texte ne contient pas de points... En fait, je suis con, je peux juste faire ça, regardez. Hop. Text.contains. Oui ou non. Si oui, je le remplace par un 0. Sinon, je le remplace par une chaîne vide. String.empty. Right? Et du coup, je laisse comme ça. Ah ouais, mais non, mais du coup, ça va pas marcher mon truc. Parce que regardez, là, si je fais ça, ça marche. Mais là, si je rajoute un 0, bah, il va me l'ajouter parce qu'il y a un point. Ah oui, j'ai pas géré le moins aussi. Donc là, c'est moins ou rien. Et ça remplace. Bon, attendez. String.empty. Ok. If m. Je peux directement faire un match à l'intérieur, hein, parce que sinon. Is match de texte. Alors, donc, de commencement, rien. 0 plus. Suivi d'un plus. Hop, voilà. Donc, si ça match ça, sinon, si ça match ça, eh bien je remplace ça par un moins, simplement. Ici, il faut que je m'assure que j'ai pas de points. Donc là, tout sauf un point. Et là, tout sauf un point. Mais si je pense qu'il va y avoir, on pourra, on, voilà, bon. Si on a plein de zéros, mais par contre qu'il y a un point suivi de des trucs ou pas, donc comme ça. Qu'est-ce qui est... Ah oui, merde. Ok, donc s'il y a un point suivi de truc ou pas, le new text, on va replacer dans le texte le commencement de 0 plus
par 0. Parce qu'il y a un point. Mais là, on a dit que c'est que des 0. Donc, on remplace par 0. Et donc, le dernier cas, c'est si jamais... Bah, c'est négatif, en fait. Du coup, on commence. On remplace par moins 0. Voilà. Là, voilà, voilà, voilà. Bon, c'est un peu dégueulasse. Je suis d'accord. On va peut-être trouver un moyen d'optimiser un peu tout ça. Mais voilà. Donc là, regardez, là, je peux mettre 0. Je peux mettre moins 0. Mais par contre, je peux mettre plusieurs 0 après. Je peux faire ça. Moins 0,23, par exemple. Mais là, je peux pas mettre 0. Ah ! On a un problème. Houston. Alors ça, du coup, c'est celui-là qui marche pas. Là, on est dans ce cas-là. On est dans ce cas-là. Il y a au moins un 0. Et quand j'écris 0, j'ai l'impression que je rentre dans ce cas-là. Ah bah oui. Bah non, j'ai mis tout sauf un point, là. Ça marche pas, ça ? Et je vais faire une plus grande pause cette fois-ci. Merde. Non, stop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non. Ok. Donc, on met un moins. Ah, je peux pas mettre de moins. Ah, en fait, quand il faudrait... Ok, bon. Bon, je vais y aller maintenant, je pense. J'ai envie d'aller trop vite. Donc, je vais faire une plus grande pause que 5 minutes. Genre une 30 minutes, 1 heure, je pense. Non, moins que ça. Enfin bref, de toute façon, vous serez prévenus quand je restreamerai, vous inquiétez pas. Enfin, si vous me followez, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, je vous remercie encore d'être venu. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Donc, vers 17h, on va dire. 16h30, 17h par là. Quelque chose comme ça. Voilà. À tout à l'heure. Salut.